Hey ya les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du week-end. Et en commentaire, on m'a dit, tiens, ça fait longtemps que t'as pas fait des tirages, enfin des canalisations où tu t'exprimes à la première personne, du coup, à la place des collectifs. Et oui, ça fait effectivement un petit moment que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Donc du coup, on part sur une canalisation des collectifs masculin, féminin, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est, comment ça a évolué depuis 3 semaines. Et on va voir un petit peu comment ça se passe, tout simplement. Je remercie encore une fois mes youtipeurs, merci à vous, merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci à vous tout simplement de regarder ces vidéos. Alors, talalala, talalala. J'ai mal à la tête. Déjà, il y a connexion au collectif féminin. On commence avec un mal de tête. Beaucoup de fatigue, une très très grande fatigue. Commence à y avoir un petit peu de ras-le-bol chez les féminines avec le confinement, un petit peu tourné en rond, on ne sait plus trop quoi faire. On a fait un petit peu tout ce qu'il y avait à faire. Le reste, on n'a pas trop envie de le faire. Un petit peu de ras-le-bol. Un petit peu de ras-le-bol. J'ai l'impression que les féminines attendent quelque chose, attendent un bon moment. C'est perturbant parce que j'entends mon chat à côté qui fait des bêtises sur le canapé. Vous voyez ce que fait un chat comme bêtise sur le canapé? C'est très très perturbant. Alors, féminine, là, ce que ça dit, c'est comment elle est par rapport à la situation. Je commence à en avoir marre des réseaux sociaux. Tout ce qu'il y a là-dessus. Des théories partout, on sait plus trop ce qu'on doit écouter. Est-ce qu'il faut des masques? Est-ce qu'il faut pas de masques? Je crois que je commence vraiment d'avoir ras-le-bol du confinement. Je m'y fais complètement parce que de toute façon j'ai pas le choix. Mais il faudra pas que ça dure plus longtemps que début mai, parce que sinon je vais exploser, sinon je vais péter un plomb. Là, j'ai juste envie, là, ne serait-ce que pendant un week-end ou une semaine, juste de poser le téléphone et de plus répondre à personne. Et d'être avec un livre dans le jardin. De pouvoir simplement me profiter. Ouais, sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans internet, sans rien. Juste revenir aux bases. J'ai besoin de revenir aux bases. Je me sens très mitigée. J'ai cette pression autour de moi qui s'accentue surtout sur la tête, qui me donne mal à la tête. J'ai l'impression que dans tout ce temps, je manque de temps. C'est très perturbant parce que je sais que le temps, je l'ai, mais j'ai vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui est en train de m'échapper, que j'ai oublié quelque chose de très important. Et qu'il faut que je passe rapidement et que je suis en train de manquer de temps. Je suis pas sûre que ça vienne vraiment de moi. Mais du coup, j'attends ce bon moment pour faire quelque chose et je ne sais pas ce que je dois faire. Et c'est extrêmement perturbant. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose de positif qui est en train d'arriver. Et que je dois un petit peu mettre la main à la pâte quelque part, mais je ne sais pas ce que je dois faire parce que je ne sais pas ce que j'attends, je ne sais pas quel est ce moment que j'attends et je ne sais même pas pourquoi est-ce que je dois le faire, pourquoi est-ce que je l'attends, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça, je ne comprends pas. J'ai juste cette pression autour, vous savez, cet état de pression, d'excitation en même temps qui est là.
comme quand vous savez que vous allez aller à Disneyland le lendemain et que vous n'arrivez pas à dormir la veille parce que vous savez que vous allez passer une journée extraordinaire le lendemain, j'ai cette impression-là, cette impression qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive et vous avez peur de louper le train pour aller à Disney. Ben c'est un petit peu le sentiment que j'ai. J'ai peur de louper ce train qui va m'emmener dans le plus beau des mondes, le plus beau des royaumes. C'est vraiment très perturbant parce que dans ma vie matérielle, j'ai déjà tout mis en place. Je n'ai pas de choses à faire particulières en plus. C'est vraiment. C'est vraiment une pression, quelque chose qui n'est pas du tout palpable, qui est surtout au niveau des ressentis. Aïe, ça c'est mon dos. C'est très paradoxal ces énergies-là parce que je me sens globalement bien. Je ris, j'ai retrouvé un peu de ma joie de vivre. Mais à contrario, j'ai l'impression que bah, il y a cette chose, il y a cette pression-là qui est en train d'un petit peu tout plomber. Je ne pourrais même pas dire comment je me sens par rapport à la situation parce que je ne sais même pas de quelle situation il s'agit exactement. Mais de manière générale, je me sens plutôt bien. Juste que ouais, j'ai l'impression de devoir faire plein de choses et je ne sais pas quoi. L'impression qu'il manque quelque chose, mais quelque chose d'important que j'aurais oublié. Et je ne sais pas quoi. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas de quoi il en retourne. C'est très complexe. Parfois, je me fatigue moi-même parce que je vois que je suis en train de me plaindre de choses dont je n'aurais absolument pas à me plaindre. J'ai entendu la tatane des guides hier et elle m'a beaucoup parlé. Et j'essaie de mettre ça en place et c'est ce que j'ai envie de mettre en place pour la suite. J'ai bien entendu le message. Et je veux que mes guides sachent que j'ai bien entendu le message. Je me sens à la fois forte et à la fois faible et c'est vraiment très particulier comme ressenti parce que je sens en moi cette force qui est là. Je sais que j'ai la force justement de passer au-dessus des choses, de pouvoir faire des choses, de pouvoir complètement aller de l'avant et de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Mais à contrario, je me sens aussi assez faible, entre guillemets, parce que la faiblesse est un rapport qui appartient à chacun, mais je me sens assez faible, non pas dans ma santé, mais vraiment dans mon mental. J'ai l'impression d'être une petite fille ou un petit garçon qui attend quelque chose de quelqu'un. Et je sais que ça, c'est complètement en rapport avec ce que les guides ont dit l'autre jour. La vidéo sera ici, du coup. Ou ici. Enfin, bref, dans le petit i qui apparaîtra. Je suis complètement perdue parce que je vois ce qu'ils me demandent, je le ressens aussi au niveau de mes énergies. Mais je ne vois pas comment mettre tout ça en place, parce que j'ai l'impression d'avoir fait déjà beaucoup de choses et je me sens complètement perdue dans ce travail, dans ce développement personnel, dans le travail de guérison des blessures. Je sais que je ne dois pas spécialement aller chercher mes blessures parce qu'elles vont elles-mêmes venir à moi toutes seules sans que j'aie besoin de rien faire. Mais c'est quand même très perturbant cette idée de quelque chose qui manque. C'est un sentiment qu'on ne peut pas enlever. Mais plus le temps passe et plus je suis persuadée que ce sentiment de pression ne vient pas de moi. Qu'il va se passer quelque chose avec moi, mais que ce n'est pas à moi de faire quelque chose. Mais j'ai vraiment peur de louper cette porte.
J'ai l'impression que c'est une porte qui va vraiment me mener à quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre. J'ai besoin de m'enlever un petit peu toutes ces idées négatives de la tête. J'ai besoin de vraiment cette idée de poser mon téléphone, de poser mon ordinateur, de poser les réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment la bonne chose à faire en ce moment parce que c'est vraiment quelque chose qui me plombe. J'ai pas envie de voir en fait l'évolution du monde cette semaine. Que ce soit positif ou négatif, j'ai juste envie que les infos, que l'actualité me laisse tranquille, que mes proches me laissent tranquille. Là, j'ai vraiment envie d'être seule, seule avec moi-même. Et même si on est seul dans sa maison ou dans son appartement, il y a toujours ce côté, les gens sont près de nous avec les réseaux sociaux. Et je n'arrive pas du coup à me détacher de tout ça, je n'arrive pas à rester seule avec moi-même. Et je sais qu'à partir du moment où j'arriverai à pouvoir faire face à cette solitude, parce que la solitude, je sais que c'est justement le côté j'ai peur d'être seule avec moi-même, une fois que j'arriverai à faire face à cette peur et que je n'aurai absolument plus aucun mal à être seule avec moi-même, que ce soit pour 2 ou 3 jours, je sais que ça me fera le plus grand bien. C'est vraiment cette idée de détox social. C'est vraiment cette idée de détox au niveau de beaucoup de choses. Ne plus écouter les gens qui me disent quand ça ne va pas, ne plus les écouter parler pendant des heures de leurs problèmes, ne plus non plus écouter les bonheurs des uns ou des autres. Je sais que ça peut paraître très égoïste, mais vraiment, à l'heure actuelle, je n'en peux plus d'entendre les gens qui parfois ne font même pas attention à moi. Je n'ai plus envie d'écouter tout ça, j'ai juste envie de m'écouter moi et ce que mon moi est en train de me dire, c'est lâche, lâche tout ça, dis que tu seras absente pendant un petit moment, pendant quelques jours, pendant quelques heures, mais plus de relations sociales pendant quelques temps. Et je pense vraiment que ça va me faire le plus grand bien de ne plus être là pour les autres. Encore une fois, que ce soit pour leur bonheur ou pour leur malheur, je suis toujours présente pour les autres. Et du coup, je m'en suis oubliée moi-même. À écouter tout le monde parler et à m'effacer pour que tout le monde parle, je n'ai plus envie de ça. Et j'ai envie ici de moi me mettre en avant. Et ça commence par un bon livre. Ça commence par un bon fauteuil et un peu de soleil. Et un bon jardin, un bon balcon. Mais un endroit où je me sens tout simplement bien et où on ne viendra pas me déranger. J'ai pas envie d'être dérangée, j'ai plus envie d'être dérangée. Autant avant, je voyais pas spécialement ça comme du dérangement, autant maintenant, je le ressens comme étant du dérangement dans le sens où ça m'empêche d'être avec moi-même, ça m'empêche de m'écouter et encore une fois, je dois m'effacer pour mettre les autres en avant. Et j'ai plus envie de prendre ce rôle de sauveur par rapport aux autres, d'être, du moins pendant un week-end, j'ai pas envie d'être l'oreille des autres. J'ai pas envie d'être leur épaule. J'ai envie d'être ma propre oreille et ma propre épaule. Et si les gens ne peuvent pas le comprendre, c'est tant pis pour eux. Mais moi, je ne veux plus porter ce fardeau-là, du moins pendant un week-end. On va voir si on a un autre message pour les féminines. On dit que collectif féminin est en train de passer par justement ce passage de négativité. Le fait qu'elles veulent s'éloigner de cette négativité, c'est très parlant dans le sens où justement elles sont en train de passer au travers.
Donc là, bah, si elles disent, bah ouais, j'ai plus envie de t'écouter te plaindre, que ce soit méchant ou pas méchant, bah j'ai juste envie de m'écouter moi en fait. Et mon moi, il dit, bah tu parles à personne. Tu te retrouves avec toi-même et t'as pas à avoir peur d'être seule avec toi-même. On me dit bien, ne parle à personne. Ne parle à personne pendant ce week-end, ça va te faire beaucoup de bien. Éloigne-toi complètement des réseaux sociaux, sois complètement. Complètement seul, littéralement, pour ne plus avoir peur de cette solitude, il faut affronter la peur par la peur elle-même. Et que de toute façon, nous sommes des personnes merveilleuses, et si les autres trouvent que nous sommes des personnes merveilleuses, pourquoi est-ce que nous, on ne s'en rendrait pas compte tout simplement en passant un petit peu de temps avec nous-mêmes? Donc là, c'est une sorte de confinement dans le confinement pour les féminines. Ce week-end, visiblement. Bou, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020. Tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne le masculin, dès que je me suis connectée à leur collectif, j'ai une fatigue qui m'est tombée dessus. J'aime pas ce bruit. J'ai une fatigue qui m'est tombée dessus d'entrée. Et c'est. Waouh, j'ai l'impression que je vais m'endormir. Hein, les gars. Enfin, faudrait pas que je m'endorme en vidéo, mais. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils sont hyper fatigués. Tout ce qu'ils se prennent là dans la figure, c'est incroyable. Ça donne une fatigue. C'est comme si c'était une chape de plomb là. C'est comme si j'avais un truc qui me fermait les yeux, mais. Direct. Mes paupières sont hyper lourdes. Oh! Allez, reprends-toi. Au taquet. Au taquet. Alors, collectif masculin, déjà, on dit. Non, faut pas que je ferme les yeux, ça peut le faire. Collectif masculin, déjà, on dit. Qu'il y a quelque chose qui les pousse. Il y a quelque chose qui les pousse, mais c'est pas quelque chose de positif. C'est comme quelque chose qui te pousse à faire les mauvais choix, en fait. Ok. J'ai complètement les mêmes énergies que le collectif féminin. C'est-à-dire que là, je ne veux parler à personne.
Bon, venant de moi, c'est pas très très, c'est pas très très surprenant. De base, je suis pas très bavard. Ça, c'est quelque chose que certaines féminines doivent vraiment comprendre, c'est que les masculins ne sont pas bavards. C'est que nous, on va pas parler, nous, on va montrer. Et si on vous montre pas, c'est qu'on ne sait absolument pas comment faire. Ça veut pas dire que c'est pas là, ça veut dire qu'on ne sait pas comment faire, mais qu'on veut le faire de la bonne manière. On est tellement perfectionniste que quand on veut dire quelque chose, c'est pas on va le dire, c'est on va le faire, mais on va le faire de manière parfaite, sans que ce soit vraiment parfait. C'est comme bah voilà, Disneyland, ils ont ouvert quand ils étaient parfaits, ils n'ont pas ouvert quand il y avait des petits bugs, ou il y avait des câbles qui étaient en train de pendre au-dessus de l'eau. Non, ils ont ouvert le parc quand c'était parfait. Enfin, je crois. Tu me fais des métaphores bizarres, parce que... J'ai pas envie de parler aux gens. Alors, oui, encore une fois, c'est vrai, je parle pas beaucoup. Mais là, je suis quelqu'un qui a toujours été entouré de plein de monde. Je suis quelqu'un qui s'est toujours entouré. Parce que j'avais extrêmement peur de la solitude. J'ai toujours été quelqu'un qui avait toujours quelqu'un à qui parler. Et toujours plein de monde autour de lui. Et là, j'ai plus envie de ça, en fait. J'ai plus envie de parler. Là, je suis en train de me dire, putain, pourquoi t'es avec autant de gens? Ça te sert à rien. Là, tu vois, tu veux être tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui vient te parler alors que tu veux juste être seul. J'aimerais juste pouvoir prendre du temps un petit peu pour moi, mais je peux pas. Je peux pas parce que je travaille, je peux pas parce que j'ai plein de choses qui m'arrivent dessus. C'est le bordel, c'est complètement le bordel et je sais plus quoi faire, je sais complètement plus quoi faire. Mais là, tout ce que je veux, c'est ne pas parler à quelqu'un, que ce soit par message, que ce soit par appel, que ce soit par visio. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Non, je ne serai pas là, non, je ne répondrai pas aux messages ce week-end, c'est mort. Je veux juste être tranquille. Lâchez-moi la grappe. Je répondrai pas aux textos. J'irai pas sur Facebook ou les réseaux sociaux. Dis-moi, j'y ferai ce que je veux. Je suis en train de péter un plomb parce que j'ai juste envie d'aller dehors. J'ai juste envie de pouvoir faire ce que je veux. De pouvoir aller acheter des trucs si j'ai envie d'en acheter, de pouvoir aller me balader, de pouvoir faire des activités extérieures. J'en ai ras-le-bol de ce confinement, j'en ai ras-le-bol de rester enfermée. J'en ai ras-le-bol de la connerie des gens. J'en ai ras-le-bol de tout en fait. Je suis en train de péter un plomb. Pourquoi? Parce que ces guides sont en train de me labourer le cerveau, le cœur. J'ai tous les chakras qui sont à deux doigts d'exploser parce qu'on est en train de m'en envoyer plein la figure depuis bien avant le confinement. Depuis bien, bien, bien avant le confinement. Ça fait depuis l'été. L'automne dernier, l'hiver même dernier, on va dire automne, mi-automne, fin automne, que les masculins sont en train de se prendre plein la figure, que les féminines sont en train de leur dire que ce qu'on fait, c'est absolument pas assez, que... Que les féminines sont en train de dire aux masculins que ce qu'ils font n'est pas assez. Voilà, tourner comme ça, c'est mieux. On fait ce qu'on peut, on fait clairement ce qu'on peut, et là, j'en ai marre en fait de me prendre des accusations dans tous les sens. J'en ai marre de que quoi que je fasse, que ce soit avec elle ou que ce soit avec n'importe qui, quoi que je fasse, c'est jamais assez. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Là, je suis en train d'exploser. J'en ai vraiment marre des gens. J'ai vraiment envie d'aller sur une île déserte, mais tout seul, vraiment tout seul, avec absolument personne, mais personne, parce que au moins, je sais que là. Eh ben, quand je ferai quelque chose qui n'ira pas, je pourrai m'en prendre qu'à moi-même, mais au moins il n'y aura personne qui viendra me le reprocher. Et j'ai passé ma vie entière avec des reproches, et là je suis en train de m'en prendre, mais d'une puissance, mais de tout le monde. Et c'est normal de pas être, aïe, c'est normal de pas être satisfait. Quand depuis tout petit on vous a dit, mais ce que tu fais c'est jamais assez, c'est normal d'être devenu perfectionniste.
comment on fait pour ne pas devenir perfectionniste à chaque fois qu'on vous a mis la barre encore plus haut alors que vous étiez déjà satisfait de vous? C'est pas... C'est, non. Il y a des choses à comprendre dans la psychologie des gens et j'ai l'impression que le côté psychologie, on l'utilise uniquement quand on veut. Et... Je fais comment, moi? Je fais comment pour satisfaire tout le monde? Je fais comment pour satisfaire ma féminine alors que quand je fais des efforts, bah, on me dit que j'en fais pas, on me dit que tout simplement que juste que je suis pas là et que je réponds pas aux messages, que je pourrais faire un effort alors que je suis déjà en train d'en faire. Je fais quoi? Et pareil au boulot, quand je fais des efforts pour satisfaire mes supérieurs et qu'on me dit que je fais de la merde, qu'on me dit que ce que je fais n'est pas assez, que mon travail n'est absolument pas récompensé ou n'est absolument pas valorisé, qu'on me dit bah, de toute façon que tu serais là ou que tu serais pas là, ce serait pareil. Mes collègues, j'ai pratiquement aucun soutien de mes collègues. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? À part franchement aller vivre sur une île déserte et que personne vienne me faire chier, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis en colère de tout ça, je suis en colère de m'en prendre plein la figure depuis cet hiver. Et on n'arrête pas de le dire dans les vidéos que en ce moment c'est très dur pour les masculins, pour les collectifs masculins, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et que ça fait depuis automne qu'on dit que l'hiver des masculins sera très dur. Et outre ça, que le début d'année jusqu'à mi-avril sera très dur. Là, on est en train de péter un plomb. Voilà, on nous a rajouté des briques, des briques, des briques, des briques et des briques. Et on nous a dit, vas-y, tiens-toi debout. Mais déjà, une brique, elle pèse 3 tonnes et on nous en rajoute depuis cet hiver. Tout ce qu'on demande, c'est un petit peu de compassion. C'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas là, pourquoi est-ce qu'on répond pas. Parce que ça va pas. Clairement, là, ça va pas. Il y a des masculins qui sont en dépression. Il y a des masculins qui ont juste envie d'en finir. Et il n'y a aucune compassion. Ou du moins pas beaucoup. Après, forcément, malgré tout le monde, fort heureusement, il y en a qui ont du soutien. Mais il y a quand même ce... cette chose en arrière-plan. De la part des féminines, il y a quand même encore un petit peu de colère, encore des accusations en arrière-plan. Et c'est peut-être en sourdine chez les féminines, mais chez le masculin, ça va résonner. Mais vraiment beaucoup résonner. Et là, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Je m'en prends plein la gueule, on s'en prend plein la gueule, on s'en prend plein la gueule. Vous n'imaginez même pas tout ce qu'on est en train de vivre. On est en train de subir des choses, mais parfois la première chose n'est même pas finie, qu'on en a déjà une autre qui arrive. C'est vraiment ces briques, on n'a même pas pu enlever cette première brique, que déjà il y en a une autre, puis encore une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Les masculins sont juste totalement ensevelis. Enseveli. Et ces accusations-là, elles nous laissent par terre. Cette colère, cette rancœur qu'il y a envers nous, elles nous laissent par terre. Et le manque d'attente, justement, ne plus être dans l'attente, ne plus être sur nos erreurs, etc., ça nous aiderait beaucoup. Juste nous dire, tu vas y arriver, tu peux le faire, j'ai confiance en toi. Vous vous rendez compte que ça, c'est des choses qu'on n'a jamais entendues de notre vie. Que nos parents ne nous l'ont pas dit. J'ai confiance en toi. Ça fait quoi d'entendre j'ai confiance en toi? Ça fait quoi d'entendre une personne qui me dit qu'elle a confiance en moi? La majorité des masculins ne le savent pas.
On n'arrête pas de nous dire qu'on est de grands enfants, on n'arrête pas de nous dire qu'on est des gamins, de par nos comportements et autres, mais on ne nous traite pas comme des gamins, alors que bah, peut-être que si on le faisait, que si on nous parlait avec comme à des enfants qui ont peur et qui ne savent pas comment faire, peut-être que ça irait mieux. Je me sens pas bien, non, je me sens pas bien, je me sens pas bien, je suis en colère, je suis épuisée de voir que tout ce que je fais est réduit à néant. J'ai juste envie qu'on arrête de m'en vouloir pour ce que je suis et pour ma manière d'être et pour ma manière de faire. Parce que c'est pas ça l'amour inconditionnel. C'est là parce que je réponds pas à un message que je vais m'en prendre plein la gueule. C'est là parce que je suis pas là tout de suite que je vais m'en prendre plein la gueule. Parce que c'est comme ça ma manière de faire, c'est ça ma manière de faire. Et l'amour inconditionnel, c'est d'accepter ça, d'accepter que je sois comme ça. Et voilà, je comprends pas. Certains d'entre nous ont eu des personnes qui sont parties depuis l'hiver, des personnes qui sont décédées, des personnes à qui ils tenaient. D'autres sont tombés malades, d'autres ont des proches qui sont tombés malades. D'autres ont eu des problèmes dans leur travail. Et il y en a même certains qui ont eu tout ça en même temps. On nous traite d'égoïstes. Alors peut-être qu'on est égoïste. C'est peut-être méchant ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. Mais il n'y a pas que nous qui sommes égoïstes. Vraiment, rendez-vous compte qu'à chaque fois que vous avez une pensée pour nous, on l'entend tout de suite. Et ça résonne dans notre tête, comme si on était en train de nous porter avec un porte-voix directement dans l'oreille. On entend tout, on ressent tout. Et je vois pas ce que vous voulez qu'on fasse. On ne voit pas ce que vous voulez qu'on fasse de plus. On essaie de s'axer sur nous pour justement revenir vers vous. C'est ça le plus important, c'est qu'on travaille sur nous pour revenir vers vous. On fait tout ça pour vous. Ils ont coupé. Ils ont coupé le canal. Attendez. J'essaie de me reconnecter là, mais... Eh, oh. Non, ils ont coupé. Beaucoup de colère, du coup, comme on l'aura vu avec le collectif masculin. C'est de la colère qui peut être légitime ou pas, encore une fois ça dépend de votre situation et encore une fois ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, ça, voilà, à vous de voir où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. Si ça ne vous parle pas, eh bien, il n'y a pas de problème,
Si ça vous parle, et bah, voilà. Voilà. Écoutez le message de la vidéo et encore une fois, prenez ce qui vous résonne. Mais beaucoup de colère là chez les masculins, vraiment beaucoup de colère, beaucoup de choses un peu qui traînent en fait sur la relation. Là, les accusations, c'est quelque chose qui est ressorti pas mal dans les vidéos, dans les cartes, dans les canalisations, que ce soit avec moi ou mes collègues, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, que les accusations, là, les masculins, ils commencent un petit peu à en avoir ras-le-bol. Et la fatigue qu'ils ont n'arrange pas vraiment les choses, parce que la fatigue qu'ils ont est due, du coup, à tous ces événements qui viennent s'ajouter encore par-dessus, comme on l'a vu tout à l'heure, enfin, comme il l'a dit tout à l'heure, comme ils l'ont dit tout à l'heure, avec c'était le collectif entier. Vraiment en mode, bah, il m'en arrive plein et j'arrive absolument pas à me reposer en fait, parce qu'il m'arrive tellement de choses que ça me déclenche des crises d'angoisse, que ça me déclenche enfin j'arrive pas à rester stable en fait. Là, je suis vraiment en train de me prendre une tornade sur la tête et cette tornade là est dure depuis cet hiver en fait. Et après, je vais pas vous faire qui a dit, je pense que, enfin, ce qu'ils ont dit. Voilà. Ce qu'ils ont dit, ça a été relativement clair là-dessus quand même, donc je vais pas revenir dessus. Mais c'est vraiment, ils sont vraiment en train de s'en prendre plein la figure. Ils sont vraiment en train là, c'est même pas, ils sont à cloche-pied. Là, c'est même pas, ils ont pu se stabiliser. Et là, ils sont carrément par terre en fait. Ils sont juste complètement par terre. Donc, même s'il y a certains masculins qui ne vont pas vouloir montrer ça, qui ne vont pas vouloir en parler ou qui vont toujours afficher cette mine je vais bien, tout va bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, etc. Il y a quand même en fond, vous voyez, ce côté, ça va vraiment pas en fait. Là, ce qui me vient, c'est surtout beaucoup de tristesse en fait pour eux. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver cette stabilité. Il y a vraiment des choses qui s'accumulent. Comme ces pierres, vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait un amas de pierres, qu'il y avait la carrière entière de pierres qui leur était tombée dessus, en fait. Vraiment, j'ai beaucoup de peine pour eux, parce que ce qu'ils vivent est vraiment très dur. Ce qu'ils vivent est vraiment très, très, très dur. Bon, c'était pas un message très facile à entendre. On a vu mieux comme message. On a vu beaucoup mieux comme message. Après, là, c'est un ras-le-bol que je sens depuis un petit moment quand même, depuis au moins le début de la semaine, là. Et c'est marrant parce que j'en avais parlé avec Aurélie, justement. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui est posé sur le collectif, pour qu'on soit plusieurs à le ressentir comme ça. C'est vraiment qu'il y a un ras-le-bol qui est assez énorme. Et vraiment, là, on part... Encore une fois, sur un début de décennie. Je sais que je le répète, mais c'est vraiment très important. On repart sur un début de décennie. Donc là, ce serait bien de ne pas partir du coup sur des accusations, que ce soit de l'un et de l'autre. Hein. Il n'y a pas que les accusations vers le masculin. Il y a aussi le masculin qui accuse aussi la féminine. Du moins, certains masculins. Encore une fois, pas tout le monde. Pareil pour la féminine. Ce n'est pas toutes les féminines qui font des accusations envers leur masculin. Mais voilà, ce serait bien si chacun de notre côté... On travaille vraiment comme une équipe et non pas comme quelqu'un qui essaie de... Comme des personnes qui essaient de se tirer dans les pattes, en fait. Encore une fois, les flammes jumelles, c'est une équipe avant d'être un couple. Et c'est comme ça qu'il faut voir, c'est qu'on est censé travailler main dans la main, on est censé pas être ensemble, on est censé travailler ensemble, on est censé avancer ensemble. Et bah, si on est toujours en train de s'engueuler, en train de se dire bah, on doit faire un repas et bah tiens... T'as mis trop de sel, t'as fait trop de poivre, t'as mis nini, t'as pas coupé comme je t'ai demandé, etc., etc. Mais comment vous voulez qu'on s'en sorte dans une cuisine, quoi? C'est pas possible, c'est absolument pas possible. Si on est toujours en train de se critiquer, toujours en train de s'accuser, toujours en train de s'en mettre plein la figure, on peut pas y arriver, on peut absolument pas y arriver. Et ouais, non, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça l'amour inconditionnel, c'est aider l'autre et faire en sorte que les choses aillent bien. Et ben, ça va encore être une vidéo qui va être lourde à poster. Je vais encore être comme ça devant les commentaires, en train de me dire, est-ce que je vais m'en prendre plein la figure ou pas?
J'espère vraiment que le message sera entendu et qu'on puisse vraiment passer sur des énergies beaucoup plus cool. Encore une fois, si vous ne savez pas quelle est la rancœur de votre masculin, si vous pensez que vous êtes passé par-dessus quelque chose et qu'en fait c'est pas le cas, parce que généralement c'est ça, on pense être passé par-dessus quelque chose en particulier et en fait non, n'hésitez surtout pas à écrire une lettre. N'hésitez surtout pas à écrire une lettre, peu importe si ça commence de la bonne manière et que ça finit de la mauvaise manière, ou que ce soit l'inverse, que ça commence de la mauvaise manière et que ça finit sur la bonne manière, ou que ce soit que des trucs positifs ou que des trucs négatifs, c'est pas grave. Mais vraiment, écrivez une lettre, je pense que il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer comme ça. Et sinon, bah, tout simplement, vous l'imaginez devant vous, vous partez en méditation. Vous l'imaginez devant vous et vous simplement vous imaginez que vous lui dites tout ce que vous avez envie de lui dire. Encore une fois, que ce soit positif ou négatif, tant pis. Mais il faut que tout ce qu'il y a à l'intérieur sorte. Visiblement, c'est très important. Et ça va libérer beaucoup de choses aussi sur le lien. Parce qu'encore une fois, c'est des énergies qu'on a depuis un petit moment, ça. Notamment il y a 2 jours, notamment avant. Ici, il y a vraiment une colère contenue, en fait, contre l'un et contre l'autre. Qui n'est pas pour s'arranger. Donc si on pouvait s'accorder, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Si on pouvait faire comme ce yin et ce yang là, et être en harmonie ensemble, vraiment je pense que ça avancerait pas mal. Hein, le chien. Voilà. Soyez comme Kiana et Eris. Vous avez Kiana qui est là et vous avez Eris, bah, voilà, on ne voit que Eris de toute façon. Donc, soyons comme ces deux petites chippies là. Voilà. J'espère que le message n'aura pas été trop dur non plus à écouter parce que c'est pas vraiment le mood que j'essaie de donner dans mes vidéos. J'essaie vraiment de vous donner la pêche, de vous donner la patate et autres, mais. Message du collectif, c'est voilà, bah, c'est pas moi déjà, donc ça change un petit peu la donne, et suivant les messages, bah, du coup c'est pas très 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 top. Donc là on est tombé sur un message pas top, après j'espère que ce message pas top va vraiment... Enfin, voilà, j'espère qu'on pourra reprendre des énergies un petit peu plus cool à partir de la semaine prochaine, hein, parce que du coup là c'est la vidéo du week-end, et voilà, on va demander quand même un dernier petit message pour les deux. Ouais, bah, j'avais dit un message gentil. Là, on nous dit bien clairement, ce n'est pas la faute des autres, c'est la nôtre. Arrêtons de blâmer les autres pour ce qu'on fait. Et on vous dit, pour garder le cap, il y a des bonnes choses qui sont en train d'arriver. Et ne pas laisser les problèmes, justement, ne pas laisser tout ça, toutes ces énergies un petit peu patraques, toutes ces énergies de colère et tout, nous plomber. Parce que vraiment, il y a quelque chose de bien qui est en train d'arriver. Et c'est justement ce qui est en train de ressentir la féminine. Et cette colère-là, bah, cette colère-là, quelque part, c'est un petit peu aussi la colère du masculin de par son excitation. Vous savez, que, bah, justement, quand vous êtes dans le stress, hein, moi, en tout cas, moi, c'est ça. Quand je suis dans le stress d'un trajet, que je dois prendre le train et tout... je suis hyper stressée avant et c'est limite il faut pas me parler en fait parce que je vais tellement être en mode putain est-ce que je vais louper quelque chose etc. Ben c'est ça les énergies de la féminine qu'elle ressent, ce sont les énergies du masculin, c'est à dire que le masculin il sent qu'il y a quelque chose à faire, il sent que c'est à lui de le faire mais il a peur et il a peur de louper le coche surtout parce qu'encore une fois il y a plein de choses qui sont en train de lui tomber dessus. Cette vidéo commence à devenir beaucoup trop longue. Il y a plein de choses qui sont en train de lui tomber dessus et du coup, il a peur de louper le coche parce qu'il a peur d'être en train de faire autre chose par rapport aux événements qui sont déjà en train d'arriver. Il n'a pas encore fini, il voit qu'il a beaucoup de retard sur le planning un petit peu énergétique, entre guillemets, qu'il a. Et du coup, il a peur de louper cette fenêtre et c'est ça aussi qui le rend un petit peu, on va dire, à fleur de peau, on va dire sur les nerfs. C'est ça qui le rend un petit peu comme ça, qui fait que le message là a été aussi violent. Parce qu'il a plein de choses à faire, il a peur de louper ce coche qui est hyper important à la fois pour lui mais aussi pour la féminine et pour la relation parce que ça va changer pas mal de choses et c'est ça en fait. Il est en colère parce qu'il est en stress en fait, il est complètement en stress. Encore une fois, après, outre le fait qu'ils ne sont pas bien parce qu'il y a des choses pas terribles qui sont en train de leur arriver dans leur vie, il y a vraiment ce stress qui est présent
Et ce stress-là, la féminine, elle le ressent, mais complètement sous forme de pression, sous forme possiblement d'angoisse. Et voilà. Ouais. Donc, si les deux sont en train de se tune, eh ben on peut pas y arriver. On peut pas y arriver. Donc, il faudrait que l'un des deux se pose et dise, eh mais t'en fais pas, hein, on est une équipe, y a pas de problème, hein, on va y arriver, on va y arriver. C'est pas tu vas y arriver, c'est on va y arriver, tu vas y arriver, on va y arriver, tu vois. Et on va le faire ensemble. Et t'as pas de souci à te poser. Si t'y arrives pas, si tu te sens submergé ou quoi que ce soit, eh ben écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Le mieux, c'est que tu te sentes bien, toi, déjà, et ensuite on se sentira bien, nous. Mais si toi, t'es pas bien, eh ben le nous, il peut pas aller bien. Voilà. Voilà. Bon, ben, j'espère vraiment que. Et du coup, je ne vais pas vous demander si vous vous êtes amusé pendant cette vidéo parce que c'est... Voilà. Mais bah, j'espère ne pas vous avoir perdu. J'espère ne pas vous avoir perdu en chemin. Et je vous retrouve du coup la semaine prochaine dans la prochaine vidéo qui, on va faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus joyeuse, hein, beaucoup plus remontée au niveau des énergies, histoire qu'on soit tous au taquet, qu'on ait tous la banane, parce que là, la banane, du coup, elle est un petit peu dans le mauvais sens. Voilà, on va sécher nos larmes et on va y aller au taquet. Je vous dis à la semaine prochaine pour du coup une prochaine vidéo avec beaucoup plus de bonne humeur et on verra un petit peu tout ça. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, restez chez vous. Ciao!